Et coucou YouTube et bienvenue pour cette rediffusion du Note Sobéry. N'ayez pas peur, je suis un clown maléfique. Venez jouer avec moi. On est la semaine d'Halloween, donc et puis de toute façon, normalement, le jour, si vous regardez le jour de sa sortie, nous sommes le 31 octobre, donc vous comprendrez pourquoi le maquillage. N'ayez pas peur, tout va bien se passer. Je vais pas vous bouffer. Enfin, pas tout de suite. Alors, nous retrouvons nos Rainbow, qui sont t'as déjà les filles qui sont déjà le debout. Oh là là, je suis tellement déçue. Puisqu'aujourd'hui on va déménager avec notre héritier et ce n'est ni automne ni sunset. Hein, voilà. Et toi tu pues toi, d'accord. Parce que les filles de cette génération n'ont pas été assez rusées pour gagner. Et donc c'est avec notre petit copeur que nous allons déménager. Si tu veux, je fais plusieurs filles dans la même famille. Je vais essayer d'en faire deux, trois avec plusieurs couleurs de cheveux et surtout les yeux bleus. Bah non, c'est les yeux bleus, je m'en... Enfin, c'est les cheveux, on s'en fout déjà, parce que de toute façon, les enfants seront de la génération rose. Donc, mais les yeux, pas forcément bleus, tu peux mettre du vert, du bleu, du violet, mais pas marron, quoi, c'est juste ça. bah Kiki, c'est le Note Sobéry. Voilà, donc c'est un challenge qu'on a commencé déjà l'an dernier et qui... Donc chaque génération, tu as une couleur déterminée et tu as certains objectifs à remplir. Et là, la semaine dernière, on a élu notre héritier, qui est donc Copper. Il est là, il est en train de roupiller, là. C'est lui qui a remporté la mise pour être de la génération orange. Donc aujourd'hui, on va déménager, puisque dans les règles, nous devons... Enfin, notre héritier doit vivre dans un appartement avec travaux nécessaires toute sa vie de jeune adulte. Si je ne dis pas de bêtises, je vais aller voir ça tout de suite. Mais normalement, c'est ça. J'ai pas vérifié, parce que... Je m'en souvenais, mais sait-on jamais, peut-être que je me trompe. Puis à chaque fois, j'ai pas la bonne page, ça m'agace. Orange. Maximum de la compétence charisme et pâtisserie, vivre dans un appartement avec le trait de travaux nécessaires pendant toute la période jeune adulte. Maximum carrière criminelle, compléter l'aspiration ennemi public, avoir des jumeaux et seulement des jumeaux, insister sur le fait d'être mauvais, prétendez-vous criminel, mais personne ne vous croit, pas même vos enfants. Bon, quand il aura fini de dormir là, eh ben, on va prendre nos clics et nos claques. Et d'ailleurs, en parlant de ça, on va vraiment prendre les portraits de famille. Et merci Leïla pour l'abonnement YouTube. Donc ça, c'est ceux qui ont précédé. Donc c'est Pepper ici que nous avons de la génération menthe, Bordeaux de la génération rouge, Pulco de la génération jaune, Nuage de la génération grise et notre bonne vieille Lila de la génération prune qui est encore en vie, parce qu'elle est devenue vieille la semaine dernière, mais... Donc on va quand même prendre les affaires, hein, que notre... Bah, il va le prendre chez lui, hein, parce que ça, c'est quelque chose qui va de foyer en foyer, et ça m'emmerderait de perdre des portraits, quand même. Et du coup, il faudrait que je fasse les portraits de Copper un jour. Qu'est-ce qu'on pourrait prendre aussi? Il y a les tombes. Bah, tu vas bosser, toi, je m'en fous, va bosser. Les tombes de nos ancêtres. Ah, il faut que... Attends, je vais lui... Tu peux pas lui donner? Si, bah tu vas offrir à ton... à Copper. Voilà, nickel, elle a tout compris. Elle a tout compris, regardez, elle va offrir tout ce qui est rose à son fils. Voilà. Donc elle a pas les tombes. Ok. Faudra qu'on... Bah, tu te lèves un peu, là, Germain! Ta mère, elle va t'offrir des trucs là. Oh, il pue. Bon, comme tu es enfin l'héritier de cette famille. Oh Mon Dieu! Une grogne de nerfs pour bébé! Qu'est-ce que je m'en fous? Je suis célibataire. Tiens, vas-y. Je sens qu'il va être ravi des cadeaux. Oh, la tête! Tricot atroce! Merci. Au moins cela fera un bon nid pour les oiseaux. Ah bah finalement le deuxième lui a mieux plu. Un tissage serré, motif régulier, aucune erreur, pratiquement parfait à tous les points de vue. Voilà, bah il est content.
Oh mon Ah. dieu, qui est mort? Ça va. Ah mais j'avais pas vu qu'ils étaient partis à l'école, les autres. Je n'avais point vu. Quoi? Mais... C'est bon, c'est pas leur daron, hein. Allez, tu peux faire ta life, mon petit, hein. Et mamie, enfin mamie qui est pas encore mamie, mamie Lila. Est-ce qu'on prend des choses? Sachant qu'on a déménagé, donc je réfléchis que ça. On va leur prendre de l'argent aux parents, on va pas se, hein, on va pas se casser la nénette un peu. On a pris les portraits, puis il faudrait prendre les. Alors je vais aller prendre les tombes qui doivent être là-dedans. J'ai pas les tombes. Ah bah, ça va me poser problème ça. Pourquoi elle les a pas les tombes là-dedans? Ah si, elles sont là! Adonis ses nuages. Allez, c'est pour toi mon petit. Alors, et là, on va prendre que ceux qui nous... Davin Petit, on connaît pas. 7. Bah, c'était le mari de Pepper. Pepper. Bordeaux. Oh. Aimée ici. Même si elle sert à rien, on va la prendre quand même. Parce que bon. Bien sûr, je vous ai dit que les tombes de Pulco et Nathalie sont perdues. Je ne sais pas où elles sont parties. Donc, malheureusement, il nous manque un bout de la lignée. Donc, c'est comme ça. J'ai même pas le temps. Quoi? Sa santé, t'es que t'es célibataire. Sans Nichuno. Bah oui, tout à fait. J'aime bien cette maison, elle va manquer. Bon, elle est un peu pourrave, hein, quand même. Hein. C'était un peu la maison du désespoir. Hein. Je vais revendre la magnifique fusée pour 4000. Voilà, comme ça, on donnera, ça nous fera un peu de. Bon, ça, je vais le vendre aussi, de l'affaire. Ça fera du pognon, parce que comme ça, le petit va pouvoir prendre un peu de simflouze. Là, on est monté à 20 000, il va prendre 10 000. Pour se faire sa vie. Ce sera pas mal, je pense. Qu'est-ce que vous en pensez? Ça, j'ai eu. Salut, Missyoko, comment tu vas? Je même pas. Je te vois avec les cœurs, je lis, puis je me rends compte que c'était toi. Qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui? Ils sont lents ou c'est moi qui suis speed? Ouais, tu vas préparer des pâtisseries. Des bagels. Bagels aux oignons? Lark. Biscuits au beurre de cacahuète. Allez, vas-y, fais-moi plaisir. Ah, t'as préféré te bouffer ceux que t'avais loupés. D'ailleurs, tu peux parler à ta mère. S'il faut le charisme, c'est chiant, le charisme, c'est long. Oh, on s'en fout, on s'en fout, on va plus payer les factures. Bon bah c'est mon livre qui mange, on aura plus besoin de. Voilà, hein! On va partir. Soyez tristes. Nous allons commencer notre vie avec Cop. Cop Copper. Qui est un peu dégueulasse quand même sur les bords. Hein. Ok! Va pistousser! Ouais, bah tant pis, hein. Merde, hein. Moi je vais déménager quand même. Hein. On prend rien. On prend rien. On a tout ce qu'il faut. Ouais, bon, écoutez, on va y aller. On va déménager. C'est parti, mon zizi. Gérer les mondes. Sauvegarder et gérer les mondes. Notre petit copeur va s'en aller très loin. Salut Nani, comment tu vas? On peut vraiment avoir une paire de jumeaux. Ah, c'est pas on peut pour la génération là, les enfants qui va le devoir avoir. Oui, ça, c'est une paire de jumeaux et c'est tout. Il ne peut faire que ça. Bah d'ailleurs, ils sont chauves. Voilà, j'ai pris des gens mais ils sont chauves. Hop! Ça va vite partir les 10 000, hein, moi je vous le dis. Hein. Je vais les mettre. Non, je vais les laisser là. Le temps que les vieux meurent.
C'est horrible à dire, mais c'est comme ça. Il n'y a pas Evergreen Arbor des travaux nécessaires? Non, je pense pas. Y a pas de trait. Ah bah tiens, c'est là où on était avant. Non. Donc c'est Sanmishuno. Alors, où est-ce qu'il y a des travaux nécessaires? Voisin fêtard. Voisin fêtard. Travaux nécessaires. Alors il y a celui-là qui est grand quand même. Caution. Loyer 300. Bon, ça va. Tremblement de terre. Tremblement de terre. Super. Pourquoi pas? Historique et hanté. Gremlins. Ah, travaux nécessaires dans celui-là. C'est assez bien, assez blindé. Hein, il y a du monde là-dedans. Et celui-là, du coup, c'est 600 de loyer hebdomadaire. Ah ouais, c'est quand même cher. Je pense qu'on va prendre le moins cher. Hein. Alors. Ah! Non, mais ça, c'est celui que sa maman, elle avait pris. On n'y retournera pas. Non, non, il était vraiment trop pourri. Ok. Bon là, c'est un peu grand quand même. Hein. Studio d'artiste, ouais, ok, bon. Et ici, non, vous pouvez pas vous permettre. Ah bah non. Bah, il y en a qu'un seul hein, qui va. Donc c'était là. C'était ça, c'était cette horreur. Alors il est. Excusez-moi madame, hein, mais nous on arrive. Hein. Alors non de blé, non, non, on va faire les travaux. On va les faire nous-mêmes les travaux. Il est trop violet l'ancien de Lila. Mais je crois en plus qu'on avait tout repris, mais. Tu sais qu'il n'y a plus de meubles de manche, je crois, dedans, mais. Dommage. Ouais, mais un petit peu de chirurgie, elle serait bien. Alors, c'est chez moi là ou... Ça fait pas envie. Il y a un peu la trace d'un macabé. Après, tu peux lui dire bonjour. Hein. Il y a quelqu'un qui est mort dans notre appart. Voilà. Le retour des souris. Oh non! Mais il est affreux cet appart. Regardez, il y a même pas. Il y a une chambre aveugle. Il n'y a pas assez de fenêtres. Oh, c'est affreux. Bon, alors pendant qu'ils discutent, moi je vais tout casser. Nous allons tout casser. Il n'y a pas grand-chose, hein, non. On peut vraiment pas enlever ça? Oh là 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 là. Oh, il m'inspire pas cet appartement, il est dégueulasse. Et vu le peu de fenêtres, quoi, qu'est-ce que tu veux? Là, ce sera la salle de bain. Ce sera la salle de bain. Salle de bain. Il y a beaucoup de place, hein, mais. C'est hideux. C'est hideux. Alors, je suis censée avoir. Mais c'est pas celui-là? Ah, ça, je peux pas le supprimer. T'as un trou dans le plancher. Tout va bien. Alors, bon. Ok. Ah oui, souris là. D'accord, j'avais pas vu. Quel enfer! Ah, il me motive absolument pas. Hein. Pouh! Puis alors, on va devoir faire une déco orange. Quelle horreur! Ah, si vous avez 2-3 heures devant vous, vous verrez peut-être cet appartement. Ah, voilà! Voilà, là ça donne de la chaleur et de la lumière. Là on est bien.
Là, on est bien. Moi, je valide. En vrai, c'est hyper lumineux, hein, n'empêche. Quelle horreur. Oh oui, c'est Halloween. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Cette agression des jeux, des yeux. Mais non, mais t'as rien compris. C'est pour donner de la lumière, regarde. Regarde. Tu vois, je vais faire ça à l'intérieur, là où il n'y a pas de fenêtre. Ça éclaire. Oh la vache. Bon, alors on va mettre de la lumière un peu. Ah bah oui, bah du coup il m'a sélectionné tout ce qui était orange. Pour qu'on voit un peu ce qu'on fait. Salle de bain. Salle de bain, salle tout minin. Ouais, ouais non mais ça c'est beaucoup trop gros. Ça c'est très bien. Hop, voilà. On va commencer par salle de bain, vu que c'est défini. Ok. En douche. Oh, putain. 1500 quand même, hein, c'est cher. Ah ouais, c'est un peu chérou. On va prendre la salle de bain de voilà. La salle de bain, la baignoire de la jungle, c'est bien aussi. Un petit pot. Non, quand même. Ouais, je m'en fous. Et non, il n'y aura toujours pas de dévier parce que c'est comme ça. Magnifique. Ah, va falloir avoir envie, moi, je vous le dis. Fouah, orange. Un peu les petits petons. Alors... Incroyable. Magnifique, chérie. Nice, l'orange. C'est ça, bah écoute, c'est la génération orange, on n'a pas le choix. Et en plus, ça a quand même été assez mal fait dans les choix d'ordre de couleur, parce que orange suivi de rose, c'est pareil, violet suivi d'orange, c'est pas beau, quoi. On va pas se leurrer. Hein. Voilà, c'est très bien, ça. Et merci, Basama, pour ton follow. Et bienvenue à toi. Ah non, mais là, je peux pas faire une pièce aveugle comme ça. Moi, je trouve ça bien. Et en fait, je me demandais si ce serait pas cool de faire un studio. Genre le lit ici. Mais il est grand quand même, l'appart. Hein, et... Là, ce sera cuisine et salle à manger, hein, et puis basta. Ouais, j'ai pas envie de trop cloisonner parce que il est sombre as fuck et j'aime pas. Je trouve ça moche. Même, malgré mon encens, j'arrive à sentir la bouffe dégueulasse des voisins. C'est cool. Oh la vache. Eh, on est pauvres. On y va doucement. Ça va, il aura droit au meilleur, au plus beau des frigales. Donc on va pas se plaindre. Mais suffit, oui. Ok. Je vais mettre la gazinière là. Salut Charline, merci beaucoup pour ton follow. J'espère que tu vas bien et bienvenue à toi. Alors, gazinière. Il nous reste 6000. En même temps, on n'aura pas beaucoup de thunes. Donc, on fera ce qu'on peut avec ce qu'on a. Voilà, c'est bon pour la cuisine. Hein. Il y aura une table pour manger, un lit. Une télé. Et puis de toute façon, il devra aller travailler. Alors, une table. Est-ce que
que vous avez du orange, s'il vous plaît. C'est pas que ça m'enchante cette ce coloris, mais bon, oh, magnifique. Eh. Allez, on est Halloween, on s'en fout. C'est moche, mais on s'en fout. Ouais. Ouais, c'est... Ah oui, tiens, celle-ci. Allez. 85 simflous quand même pour 4 chaises. Ah, ça sera pour quand la maman elle viendra manger à la baraque. La vieille Lila elle viendra nous dire bonjour. Enfin, dire bonjour à son fils, quoi. Ah, ça c'est joli, mais c'est cher. 315. C'est de la décoration. Ouais. On verra. Si c'est trop cher, j'enlèverai. Un lit. De toute façon, il est tout seul. Il pourrait dormir dans un truc tout seul. Ah, mais oui. Mais oui. Comme ça ou comme ça? Je parais qu'elle viendra juste mourir sur les pas de la porte. Mais moi ça m'arrange pour récupérer sa tombe. Ça me va quand même si elle vient mourir comme ça. Oh là là, c'est moche. Faut bien sûr pas que j'oublie la porte pour aller dans la salle de bain. La 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 la. Faudra qu'on mette un tapis parce que le mec qui est mort, je suis pas sûre que ce soit sa plaise quoi. Un petit miroir peut-être aussi, ouais. Pour histoire 2. Genre là. En plus, il doit pratiquer le charisme, ouais, non. Je vais montrer la porte là. Comme ça. On a dit canapé. Il reste 3000. Putain, mais il y a des trous de souris partout. Puis j'ai pas de quoi m'acheter un tapis. Allez, on est Halloween quand même. Faut pas déconner. Faut pas déconner. Ah, il est beau. 400. Il est cher par rapport aux autres. Canapé minivan. Et puis il est plus cher. Non, je vais prendre les mini maisons parce que mini maison c'est trop de la boulette. Voilà. Ouais, vas-y, on s'en fout. Ah, ça c'est pas mal par contre. Mettre une petite télé. Oh, mais non, il aura tout ça, mais oui. Mais oui. Mais vous, mais j'adore mini maison. Donc en vrai, ça, on peut le mettre là. Il faudrait avoir un tapis, s'il vous plaît. Alors, il nous reste 300 Simflouz. Comment tu vas, le Simflouz? Donc lui, on va le vendre. Hein. Faut pas déconner. Même. Je l'avais jamais vu, ce tapis. Ah, d'accord. Tapis, surtout là que je voudrais mettre un tapis, moi. Allez, on va mettre celui-là. Clac. On ne le voit pas. Non, allez. On va mettre là. Je vais tricher, je vais agrandir le tapis. Voilà. Ou alors en blanc. Ah, ça illumine vachement plus en blanc quand même. Alors, on va changer les lampes. Ça coûte cher. Ah. Elles sont encore plus chères que les autres. Qu'est-ce que je fabrique? C'est les moins chères. Elles valent 85. Oh putain, 150. No way. Non mais je vais enlever le orange. Je vais mettre ça là. C'est très bien. 50 Simflouz. Je vais les prendre en petites. Voilà. Incroyable. Mais vrai. Elle a habillé sa maison de petite loupiote. C'est bon là, j'ai pas besoin de plus. Hein. Il nous reste 700. La porte! La porte pour la salle de bain! Sinon, on est dans le pétrin. Ah non, le lit. Non, j'ai peur, il va mourir dedans là, je le sens pas bien.
Je le sens pas bien, il va mourir dedans. Bon, une porte aussi belle, quand même. J'y ai pensé, mais... Mais non, en fait. Bon, il n'y a pas grand-chose, hein. C'est vide. Je me demande si... Voilà, il doit faire de la pâtisserie et du charisme. En soi, c'est pas ce qui rapporte le plus, hein. Et en plus, sa carrière criminelle était... Voilà, c'est vraiment... J'ai de quoi m'acheter un chevalet. Donc je pense qu'on va... On va lui faire de faire... De la peinture pour qu'on gagne de l'argent. Parce que sinon, ça risque d'être un peu... Voilà. Bon, bah écoutez... Elles coûtent combien ces chaises-là? 85, ouais. On peut les mettre en notre couleur aussi. Pour changer. En blanc, ouais, on va mettre deux en blanc. Pour... En blanc aussi, allez. Bon, go! New Yep Fanoi? Alors. Bombarder. Shirsha Gibara. Malice. Yibs, yibs, happy I'm from. Voilà! Voilà, monsieur! Batanahe. Tuma. Quissa. Subao have. Attends, vote pour les plans d'action là. Je voudrais pas qu'on se fasse entuber pour une connerie là. Les plans d'action du quartier. Ah! On est lundi, on peut voter? J'ai envie de rien du tout là. Communauté qui aime s'amuser, amour pour tous, promouvoir les arts créatifs, retour à l'ancienne. Bon, en vrai, j'en sais rien, donc tant mieux. Alors, bah, tu vas pouvoir venir ici et t'entraîner à faire un discours. Vous êtes pas très 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 bavard aujourd'hui. C'est normal, j'étais très concentrée. En Canada, bien dit, charisme et pâtisserie et maximum carrière criminelle. Ouais, il a la classe ou pas avec son homo skino là? Hein? Notre héritier. C'est pas le plus moche, c'est déjà ça. Par contre, il a pas de fesses. Hein. Après, tu pourras aller au pipi. Puis on va laisser travailler. Est-ce que il travaille ce soir? Il travaille dans 3 heures à 17 heures. Ah, il devait faire des trucs malicieuses. Ouais, zut. Ouais, il va atteindre le niveau 2 du charisme. Bienvenue dans le cartal. Ah oui. Ouais, va pisser. Regarde, t'as des voisins. Ils vont... Tu vas être malicieux avec les voisins? Bijour! Bijour! Bijour dans mon intimité! N'hésitez pas! Qui c'est ça? Isabelle Rainbow! Mais avec les cheveux gris! C'est la fille de qui, ça? De Perle! Et de Duncan! Mais c'est pas vrai! Ils ont réussi à faire une belle... une fille aussi jolie que ça? C'est pas terrible, hein. Voilà, voilà. C'est une voisine, et puis c'est une... C'est une... arrière-cousine, tante. Et puis ça tape dans mon plafond, laisse tomber. On est de la même famille, madame. On ne savait pas, mais on l'est. C'est incroyable. Est-ce que tu peux complimenter sa tenue? Parce qu'elle est tellement bien habillée. Et illuminer la journée. Oh oui. Et discuter de la tristesse parce que, ben, elle est triste. Tout le monde est triste. Et il travaille dans une heure, lui. Et puis il faut qu'il fasse des trucs malicieux, c'est vrai. Malice, qu'est-ce que c'est que cette tâche? Ah ouais, elle est jolie. C'est vrai, mais bon. Ça fait un peu bizarre, il pourra pas...
Il pourra pas. Elle fait partie de la famille, mais elle est belle. Je suis étonnée que Perle ait pondu une fille aussi mignonne. Et les yeux marrons sont partis. C'est Duncan Caillou qui a réussi à lui donner les beaux yeux comme ça. J'allais faire amour. Oh, ouais. C'est que nous, on va partir bosser pendant que les voisins... ils vont rester à la baraque. Oui. Mon cake aux fruits, là. Laissez-le tranquille, un peu. Ah, voilà, niveau 2 de la compétence malice. Incroyable. Et tu vas... prétendre être un génie criminel. Il faut le faire. C'est ce qu'ils demandent dans la génération. Donc. Et mentir sur la carrière. Yanu Borbs, Fris Bacarif, Murno Jessenai, hein? Bon, bah, il va taffer. Il a pas eu le temps de faire ses actions malicieuses, donc voilà. Alors, comme il est pas responsable, ça va être chiant pour gravir les échelons. Parce qu'il va falloir absolument lui faire travailler tout le temps. Il faut toujours qu'il travaille dur et que je le fasse travailler, quoi. Faire de la lèche au patron. Ah, économie d'eau, super. Je vais finir par les désactiver, ces plans d'action. Casser burne. Ça va, tranquille, je vous dérange pas là, ça va, hein. Ça va. Il y a de quoi faire, hein. Vous pouvez faire la vaisselle. Ah, j'ai pas mis de poubelle. Comme d'hab. J'oublie toujours la poubelle, moi, dans les... quand je fais une maison. Je débarrasse tout de suite, comme ça. Oh! Il a déjà eu une promotion, premier jour de travail. Incroyable, il a été promu voleur de babioles. Et il a déjà gagné 465 de bonus. Et il gagnera maintenant 13 simflouz par heure. Mais c'est trop cool, ça, mon petit. Mais je suis fière de toi. Tu veux pas être tout beau, là? Oh, la tête choupie. La tête choupie. Attendez, parce que... je vais essayer de faire une... je suis descendue trop basse. Il faut que je fasse une miniature quand même un jour. Là, j'ai le plumbob au-dessus, c'est chiant. Bon, crotte, ce sera pas là. Allez, tac, tac. Eh bien, Bertrand, tu vas manger et tu vas regarder la télé. Parce qu'on a un combi. Cambi, télé, bibliothèque, musique. Incroyable. Il va s'asseoir, bien sûr, avant d'aller de l'autre côté, parce que... comme d'habitude. Je t'ai dit de regarder la télé, en fait. Voilà. Braval. Ah oui. Ah oui. Bah voilà, quand il mange comme ça, c'est perfect. La génération orange. Voilà, voilà. Pour l'instant, il n'y a pas de souris. C'est les pompiers. Oh, on va voir les pompiers dans les Sims 4. C'est un indice. Incroyable. Il a sauvé une petite fille, en même temps il lui met la main au cul, hein. Moi je l'ai vu, hein. Donc après on voit ce qu'on voit. Un pompier pédophile. Ah mon dieu, des loups-garous! On va voir les loups-garous, ça y est, c'est confirmed. Confirme loups-garous dans les Sims 4. Très bien, Tal.
J'ai oublié de faire l'insta de... Elle est trop bien la photo. Oh, vous la voyez pas bien. J'ai essayé de faire mon regard de pervers. Bon, allez. Tu te démerdes. Hein. De toute façon, il va travailler de nuit, donc c'est pas grave s'il se couche tard. D'ailleurs, j'ai oublié de mettre éclairage automatique, tous les éclairages. Allez, go. Il aime bien le cake aux fruits. Incroyable. Il n'y a que maintenant que je capte qu'il aime le cake aux fruits. Waouh. Oh, bah dis donc, Copper, t'étais surprenant comme garçon. Oui, tu vas faire pipi et après t'iras dormir. Voilà. Quoi? Qui c'est qui est mort? Bah, la Vande est décédée! Elle a décidé de rejoindre l'au-delà et sa sœur. Paix à son âme, celle qu'on a vue encore la semaine dernière courir nue dans le quartier. Amen, la Vande. Reste une pépéronie. Ah, salut Keliak! Keliak a demandé la pub pour ceux qui regardent sur Twitch. Donc vous, je ne sais pas si vous aurez de la pub, vous. Peut-être, hein, sûrement, hein, YouTube. Mais là, ça va être 60 secondes de pub. De toute façon, vous ne ratez rien. Il est en train de dormir. Merci à ceux qui regarderont des pubs. Je suis désolée d'avance, bien sûr. Mais merci à vous. Ça me rapporte quelques petits inflows. Je vous fais des bisous, à tout à l'heure. Non, je suis en live en fait, je regarde pas le président vu que je suis en live, donc voilà. Voilà. Salut Keliak. Bon bah lui dort, donc on s'en fout en vrai. Je sais pas pourquoi je zoome sur lui quand j'attends que ça se passe. Est-ce qu'il y a de la belle, il y a de la belle demoiselle? Eh hey. Eh hey. Hey, mais attendez. Mais c'est dans ce quartier-là qu'on a, on a commencé avec Pepper, non? Elle était pas dans... Bah, l'appartement ici? Mais oui, regardez! Je me souviens, c'était la chambre des enfants. De Bordeaux et de Coquelicot. Et ça, c'était la chambre de... Et la salle de bain. Si, si, c'est ici qu'on a commencé le Notre Sobéry, dans cet appartement-là. Incroyable. Allez, on va aller visiter l'appartement. Qui est vide. Tout vide. Tout vide, l'appartement. On n'a rien laissé. Oh, je suis tristesse. Il n'y a plus de porte et tout. C'est bizarre. À moins qu'on ne puisse pas visiter les appartements quand on peut visiter les autres maisons. Je ne sais pas. Bon bah parfait, il ira prendre sa douche et il ira manger. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Oh, ton beau pyjama! Oh, il est mignon. Oh, Tati! Retour aux sources. Bah ouais, quasiment, à côté. C'est incroyable. Tu iras me jeter ça, s'il te plaît, Bichette. Ensuite, tu vas... Voilà, tu vas te donner des paroles d'encouragement pendant au moins 300 ans. Donc là, on va surtout lui faire... travailler. Alors ça, ok. Je vais voir ce qui se passe, hein, dans le quartier. Hein. Ah, c'est Amandine. Ah, c'est dommage. C'est quoi, ses yeux? Non, non, ben... Elle est pas dégueulasse, hein, mais... Chupa. Chupa. C'est une qu'on avait connue petite, je crois. Salut, pardon, j'écoute un micron pour savoir si je devrais encore supporter la famille casse-bonbon des résidents. Salut, Marie.
Revoir Polkan. Toi, Batenquil. Oust, Palifathipin. Schwenji. Allez. Wesh, ils sont où tout le monde là? Toi, Batenquil. Oust. Marie, si tu regardes pas, si t'es pas là quand tu regardes pas les rediffs, moi je peux pas t'aider, hein, Jean-Pierre. Il y a plus de tout le monde là, on commence la génération orange. C'est parti. C'est vrai, vraiment bien passé, parce qu'on bouge beaucoup entre appart, maison et on change aussi. Ouais, j'avoue. Qu'est-ce qu'il fait? Tu remanges un coup? Ah, oh, bichette. Et tristoun. Hein. Allez, vas-y. Et continue de te donner des paroles d'encouragement parce que. J'en ai marre. Mais j'ai pas le temps au visage triste. Mais si. Hey, continue. Oh. Je viens d'entendre une porte qui fermait dans le jeu. Je me suis cru en phasmophobia. Je vais dire, putain, il est là le fantôme. Je vérifie parce que ça me fait peur. C'était lui. Hey, arrête de... le chat. On te voit sortir tes poubelles. Qu'est-ce qu'il fait? Il fait caca. Il fait caca. Mais hé! Dégage! Vas-y, toi, qu'est-ce que tu viens chez moi? Fais elle celle-là. Je tarbé, fous le camp. C'est bon, il a oublié sa mère grand là. Ça, c'est pas sa mère grand. C'est pas grave. Oui, bah il ira faire des interactions malicieuses. Merde, c'est dans combien de temps? Dans 20 minutes! Oh mec. Elle est partie, la voisine. Mais c'est pas que c'est quoi tout trop vite cette journée? Ah putain, j'aime pas ici, c'est tout buggé. Ça m'énerve. Tiens, tu vas lui parler à lui. Méchant, non, bah non. Tu vas être amical. Oh, t'as un look, mec! Oh là là! Il aura à peine eu le temps de lui dire bonjour que. Malice, mentir sur la carrière. Malice, imiter des sirènes. Fais au moins un petit peu. Juste commencer. Ouais, voilà, c'est ça. C'est pas grave si t'es en retard. Hein. Inspirer une confiance injustifiée. Et puis inviter une fausse soirée. Allez. C'est bon, allez, va bosser. Va bosser, mon petit. 50%, c'est pas GG, mais c'est toujours ça de fait. Hein. Et puis, travailler dur. Voilà. Jusqu'à 3h du matin! Du bordel des escaliers pour changer! Marie, le troll des cavernes. 90 simflous! Bah, dis donc, t'avais mieux gagné la vieille, mon coco. Hein. Oh, la tête! Je suis enfin fatigué! Eh, performance excellente! Par contre, il se fait chier comme un rat mort. Donc, tu vas. Alors, tu vas faire un petit pipi. Tu vas manger. Et tu vas regarder la téloche. Oh, il bouffe comme un porc. C'est dégueulasse. Magnifique. Ah, ça y est, les souris sont là. Ça y est, ça y est. Allez, vas-y. Tu vas me jeter ça et tu retournes dormir. Oh bah dis donc! Que des journées extra intéressantes que tu as, mon petit beau. Quoi? Bah ça y est, c'est son daron qui est mort maintenant. Oh la vache. Dan est mort. Il oublie sa tactique, c'est son daron qui est mort. Bon, bah voilà, en même temps, c'est vrai qu'il était en train de clignoter, il me semblait, la semaine dernière, donc. Voilà, voilà. Pourquoi la boîte aux lettres? Qu'est-ce que tu veux que je fasse avec ma. On n'a pas de courrier. Bah,
Pourquoi il me parle de boîte aux lettres alors qu'il nous a pas de courrier? C'est pas grave. Pas toi, Danny. Ah bah si! Surtout lui! Mais qui c'est qui braille comme ça, là? Ah bah... Pourquoi je me pose la question, moi? Toujours les mêmes? Des bagels aux oignons! Bah! Caca! C'est bon, elles sont parties, les souris? Allez, mon coco! Niveau 10 incoming! Bah, va te faire foutre! Mais. Attends, il bosse ou il bosse pas? Si, estime-moi qui crie des os. Il travaille dans 3 heures? Mais attends, mais le gars, il fait rien de ses journées, quoi! Putain, il y a encore une souris! Tu vas manger? Attends, tu vas inviter à manger. Vas-y, invite-la à manger, on s'en fout. Faut que tu fasses tes interactions, là. Ouais, mon papa, il est décédé. Allez! Mais putain, ça bug, ça me saoule. Mange, t'as faim. Putain. Mais quoi? C'est complètement bugué, ce jeu. En gros, je l'invitais à manger alors qu'il... Oh, la tête! Oh, il est fait peur, lui, regardez ce menton! Ah, ça, c'est de la mentonnade, hein! C'est pire que Diego, hein! Donc, je l'ai invité à manger avant même qu'il te demande, en fait. C'est ça qui est incroyable. Alors, Malice, lancez une rumeur grotesque. Après, Amical, tu vas discuter des centres d'intérêt. Mais qu'est-ce qu'elle raconte, sa life, elle, derrière? Elle est folle ou quoi? Malice, inspirer une confiance. Mais on te parle, là, mec! T'es con, quoi? Non, mais ce jeu... Ouais, il y a deux trous de souris, c'est ça? Il y a là... Et il y a là, et puis t'as le cadavre. T'es le Oublie pas le loto mort de rire. Ouais, c'est vrai. C'est jusqu'à... Ouais, puis il travaille, en plus. Oh, putain. C'est où, déjà? Là. Putain, s'il gagne, par contre, c'est le bonheur. Je tiens à vous le dire. Alors, il prétend être un génie criminel. Non, Lila, désolé. N'a pas le temps. N'a pas le temps de te parler, Bogda Bogdanov. C'est exactement ça. Hé! Voilà, il est content. Tu vas lui complémenter la tenue, on va en profiter. Et puis, tu vas illuminer la journée. Tu vas pas jeter une boisson, non, juste la malice. Faut pas être méchant. Et tu vas l'effrayer. Bah quoi, c'est Halloween, hein? Et lancer une rumeur grotesque. Copper est un peu occupé actuellement. Non, mais il va aller au boulot. Tant pis. Et il va travailler dur. Ah, il est en confiance, il va aller chez les bottes du patron. Allez! Et il est triste, il va travailler dur. Merci beaucoup, Music for Life Morgan, pour ton follow. Bienvenue à toi. Il a fait des trucs, des bons bagels, là. Ça va, il va pouvoir les manger. Donc on les garde. Oh, promotion! Ça, c'est bon, ça. Promu au poste de chef du réseau. Il gagnera désormais 4 simflous de plus par heure, soit 17 simflous de l'or au total. Également reçu en bonus 558 simflous et un sac d'argent. Et l'interaction, faire les poches. Incroyable. Bon, à chaque fois qu'il revient, par contre, il en peut plus. Hein. Vas-y, regarde la télé. Bon, c'est bon, on est pété de thunes, on est à 1005. Et deux promotions aujourd'hui. Incroyable. On aurait voulu, on n'aurait pas réussi. Après, je m'en fiche que tu fasses de la comédie, mon petit. Tu vas me faire une toile en joue après. Attends. Pourquoi? Nuage, prune, Dan. Non, j'ai l'impression qu'il pensait à automne parce qu'elle avait la même coupe de cheveux, mais en, genre elle est en morte. Donc, ça ne va pas du tout. Ça ne va pas du tout. Vas-y, fais une toile en jouet. Il est 6h du mat, c'est parfait.
à faire un petit pipi et t'iras te coucher. C'est histoire de se faire un peu de thune, hein, avec 73. Bon, on aura perdu, mais c'est pas grave. Bravo Cooper, t'es le meilleur, c'est ça. Attends, quoi? Comment ça, là? Si ceux à tous, ta chaîne, elle est super sympa et t'as commis par Raymond. Ah, et bah, de toute façon, s'ils sont pas sympas... Gabriel Lefebvre, suite, c'est un garçon. On pourra pas le séduire. Enfin... Ah, pour lui faire des enfants, en tout cas. S'ils sont pas gentils, je les fous dehors, c'est pour ça. Ouais, viens, maman, viens à la baraque. Viens visiter mon appart. Ma mounette, ma petite chouquette, maman est toujours aussi bien gaulée. Elle est mieux gaulée que Shirley. C'est l'incroyable vérité. On a des amours ici. Oh, ma petite Lilate. Oh, biche. Tu es veuve. Tiens, on va te faire de la malice. Faire les poches. Oh, trop bien. Faire manger de la neige. Pense à maman. Pense à maman. Ça a l'air de bien les rire. Bah, en général, oui. On est plutôt du genre à rigoler, quoi. Elle a l'air happy pour une veuve. Oui, niveau 3. Parler de la météo actuelle. Elle est pas à 3 pieds, elle est confiante. C'est ça, ça va encore, mais... On la sait tendrement. Oh, ma mounette! J'espère que tu viendras mourir dans l'appart. On lui fait les poches? Non, pas maman. On a dit tout le monde sauf les mamans. Et en plus, il est encore en pyjama, j'avais pas fait gaffe. Oh, tu es maman. On va raconter une blague sur les hommes politiques. Pas des pitiés? C'est quoi une pitié, Marie? Déjà, quand tu vois ma tronche avec ce maquillage, tu te dis qu'elle est pas tout à fait normale, celle-ci. La banderole. La fameuse banderole. Ça m'a marqué, cette histoire de banderole, quand même. C'est incroyable, ça. Oh, mais que tu es bien habillée, maman. Oh, le charisme niveau 3. Mais oui, on aime ça. Ça y est, je suis dans la compète, là. Je suis dans la compète. On va la flatter dans le sens du poil. La mamie. Enfin, je dis mamie, mais elle est pas mamie, hein. Elle est absolument pas mamie. D'ailleurs, faudrait peut-être qu'on dépucelle, lui, un peu. Qu'on se trouve une meuf, là. Une juste histoire qui... Voilà. Qu'il se dévergonde un peu. Bah... Je pense qu'on est bien, là. On a trouvé, hein. Ouais. Est-ce que c'est une... Je pense que c'est pas une Sims random, c'est peut-être une que j'ai installée. Hein, je pense qu'on a trouvé la demoiselle. Hein, parce que la vache, la bonasse. Hein. Du coup, il abandonne sa daronne. Mais va parler! Va parler à la fille! Mais qu'est-ce qu'il fait? On va la perdre de vue. Oh non, mais... Non. Puis en plus, ici, c'est... Elle est là. Viens ici, Jean-Claude. C'est bon. Oh, il va braver. Mais non, elle est partie de l'autre côté. Oh non, on l'a loupé. Putain, mais... Dégage. Oh, elle est où? Oh non. Elle est là. Viens. 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 Et cours! Tu te raccroches à la vie! Voilà, femme qui rit à moitié dans son lit. Ah, il y a l'air d'avoir une manif. Ah oui, il y a une manif. Ah non, c'est une manif en faveur de quoi? Ah, la planète est pour les humains, ouais.
Ouais. Discuter du travail. Quoi, elle fait quoi comme boulot? Ne pas parler du club de crime. De crime. Ah ouais, crime, elle a un club, elle m'en a pas parlé. Oh merde, ils s'entendent pas trop. Elle bosse avec lui? C'est une blague? Salut maman, à bientôt. Excuse-nous, on a vu une beauté passer dans la rue, on s'est dit qu'on avait fallait lui sauter dessus là. Avant qu'elle s'évapore dans la... Hein? Alors tu vas pas lui jeter des trucs dans la gueule, je te le dis tout de suite. Pas possible. Vas-y, tu la flattes. Comme les chiens et les chats. Par contre, il commence à avoir la dalle. Est-ce que, à mon avis, il va... discuter? Mais non, ils y travaillent ensemble. C'est une blague. Mais rattrape-la. Attends. Mais moi, je voulais demander son travail. Mais discuter du travail, ça veut tout dire. Je ne sais pas. I wonder. You know. I wonder. Et tu vas lui faire quand même un peu de malice, là, parce que... prétendre être un génie criminel. Chenoy. Ça va, hein, dis donc, ici, le quartier. Pas mal, hein? Oui, il y a une chaîne YouTube aussi, Morgane. C'est la tienne, Nouveau Sims. Bah ouais, il me semble, hein. J'ai pas regardé en détail, je les ai ajoutés rapidement tout à l'heure. Ouais, c'est une collègue. Écoutez, elle travaille avec lui. Tu l'avais mis dans la carrière? Bah si, il y a l'air qu'elle travaille là. Ah, putain. Vas-y, c'est pas grave, tu vas pas lui parler. Oh non, ça a tout fait sauter. Demandez c'est pour quand. Oh, bah alors. Prétends être un génie criminel. Flatté. Tu vas complimenter la tenue. Ah non, elle est très 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 jolie, hein, on va pas se cacher. Après, on aura peut-être encore, avec les yeux bleus clairs comme ça, on aura peut-être les yeux bleus clairs pour la génération d'après, mais ça passe. Hein. Après, le jeu, il a mis, voilà. Du roux criminel, s'il y a-t-il le destin. C'est ça. Il va raconter une blague. Bah, des enfants roux, oui, mais de toute façon, ce sera la génération rose après, donc ils seront pas roux longtemps. Hein. C'est aussi ma Simsette, la fille aux cheveux noirs. D'accord, je m'en doutais. Tu sais, quand je vois les noms, je sais que c'est pas des noms générés par le jeu, donc... Bah, tu vois, je pense que ta Sim sera la mère de la génération rose. Trois ou quatre sœurs. Ouais, je crois. Il me semble que j'avais vu que t'en avais plusieurs. Je crois que je l'ai mise, mais si tu l'as pas installée, une blonde aux yeux violets, ça te dit un truc. J'ai regardé juste avant de lancer le live, donc si tu l'as pas mis avec notre sauce Shirley, je l'ai pas vu. Parce que je ne regarde qu'avec ce hashtag-là. Il n'y avait pas grand-chose depuis le mois de juillet. Vraiment très peu de choses. Travailler dans 3 heures. Allez, encore une truc là de malice et c'est bon. On aura fait ce qu'il faut. Et puis, tu vas discuter du travail. Discuter des projets maléfiques. Elle sait quoi ses traits. Pitre. Ouais, elle est oracle, la femme de Malfra. C'est sa boss en fait. C'est la bosse. Hey, ils s'entendent bien. Tu vas partager un secret et puis tu vas te draguiller un petit peu. Ah ouais, merde. Ah ouais, merde, il est triste. Avec son père, là. Il casse les couilles, son daron aussi. Merde. Tu vas te plaindre de problèmes. Rien de pire que... après avoir dragué, de se plaindre de ses problèmes.
Demander conseil plutôt. C'est pas vrai. Oh, si tu veux aller la voir dans ma chambre. Si tu veux, j'ai un appart là, un studio là-haut. Bon, il y a 2-3 souris, mais tu sais, les souris, c'est tout doux au final, ça a des poils et tout. Il y a autre chose qui a des poils aussi. Tu veux venir essayer de la voir? Franchement, rien que pour avoir une paire de fesses à côté de mon... ça a envie de s'abonner. Ah, c'est... ici, c'est les petits culs. Faut savoir que les abonnés, c'est les petits culs. Pourquoi les petits culs? Ça vient de mes chats. J'ai 2 chats. D'ailleurs, je crois que tu peux en voir un là, ici, voilà. J'ai 2 loulous. Et moi, j'adore leur arrière-train et leurs petites fesses. Tu vois, c'est j'adore, je sais pas. Alors, c'est soit petit, soit gros cul, ça dépend les jours. Mais en gros, c'est plutôt eux les petits culs et moi le gros cul, tu vois. Et, par voilà. Contre, avec les boobs qu'elle a, ça va perpétuer la tradition mort de rire. C'est ça. Mais je pense que je vais descendre un peu les seins. Ils sont beaucoup trop hauts, là. Ça fait trop refait, tu vois. Tu m'en voudras pas, Lobo Sims, mais... Les nichons sont quand même un peu hauts pour moi. Hein. Allez, tu vas essayer de flirter, puis après tu rentres. On va te faire manger avant que tu puisses aller bosser. Elle aimait ça, la coquine. On te rappellera, ma belle, t'inquiète. T'es dans le collimateur. Putain, il est remonté super rapidement, lui. Bah écoute, mon chou, va manger. Va manger. Par contre, il est fatigué. Ah! C'est, les problèmes commencent. Il travaille dans une... Vas-y, mange! Ok! Il y a carrément plus de jus! Bah, tu t'en occuperas en rentrant, hein? Ah si, ça y est, c'est revenu. Une sieste peut-être, après avoir mangé. Je suis pas sûre qu'il ait le temps. Non. Pas grave. Il dort quand même un peu, là. Allez, va bosser. C'est la sensation de... Ah vas-y, j'ai à peine eu le temps de me reposer, de poser le cul sur le canapé. Oh punaise, non, je dois y aller. Qu'est-ce que c'est ça? Mais... Ah non, mais l'appartement d'enfer. Ça va faire comme Lila, hein, quand elle était jeune. Il y a tout, il n'y a plus rien qui va. Et en plus, avec de l'eau et les étincelles, ça va prendre feu. De toute façon, il se voit au boulot. Oui, c'est ça. Mais je crois que ça faisait ça qu'avec cette tenue, sinon ils sont bien. D'accord, bah on verra. On soupçonne que notre influence sim, ça fait exprès. Même si elle avouera jamais son délit. De quoi? Pourquoi faire? Attends, que je remonte. Le plan, c'est d'avoir l'aubergine juste à côté. Ça... Oui, non, mais non. Alors, c'est vrai que c'était pas fait exprès. Parce que l'aubergine, normalement, l'emoji aubergine est dans l'autre sens. Et moi, comme je l'ai repris pour les beats, en plus, beats, bref, hein, voilà, j'y peux rien. Les cheers. Je me suis dit, bon, bah, je vais le mettre dans l'autre sens pour pas que ça fasse trop recopier-coller du truc officiel, quoi, du truc normal. Sauf que j'avais pas calculé qu'il y avait que le badge des fesses, bah ça lui rentrait dedans. J'ai vraiment j'ai pas calculé, c'est une fois que c'était en live, je sais même pas si c'est moi qui l'ai remarqué ou pas. Mais bon, c'est rigolo quoi, mais c'était pas fait exprès. Oh, il a réussi. Vas-y, tu peux réparer ça. Et tu peux... Il y a un truc qui pue là, comment on fait? C'est la trace du cadavre qui commence à sentir mauvais. Bon ben ça marche pas. Tu vas dormir. Va dormir un peu. Va dormir, t'es fatigué. Il ira se laver après. C'est pas grave. Mais. Bon bichon, va prendre ta douche. Mais il a à peine dormi. Oh. Quoi? Les votes sont déjà ouverts? On a déjà passé une semaine à Sims? La vache. Oh lolo. Oh merci maman pour la promotion. Tu es bien gentille. C'est vrai que Lila, ça a été la seule avec qui... J'ai dit, il m'est tout nu. La seule avec qui on n'a pas eu d'objectif de carrière vraiment. Donc, c'est comme chez toi, c'est les voisins
qui font des trucs qui puent. Putain, c'est ça. Ah, j'ai le nez qui gratte, mais je peux pas. Ah, c'est horrible cette sensation. Bordel. C'est bon? Oh le truc! Suffit, mais il fait quoi? Tu vas pas faire un bonhomme de neige, non? T'as autre chose à faire de mieux, va dormir! Mais il est fou, lui. Faire un bonhomme de neige. Non, mais franchement, il a quel âge? Quelqu'un est mort en bas. Tout à fait, c'est l'odeur du cadavre. Ouais, c'est triste. Hein. La putréfaction du cadavre. Bah, allô, mamie Ginette? C'est vous? Vous répondez? En fait, c'est pour ça que ma voisine a fait chier à taper dans mon plafond. C'est pour vérifier que si je suis pas morte. Parce que je vais gueuler. Allez, chouchou, tu vas pisser. Ouais, c'est bon, t'inquiète. Mais, qu'est-ce que t'as fait? Utilise. C'est bon? Allez, mange maintenant. Il commence déjà dans une heure. Non, mais ça, ça va prendre feu. Ça, c'est cool de manger dans le noir. Ah ouais, bah c'est malheureusement, on va dire ça à Lil Simsy, hein. C'est elle qui t'impose de vivre dans ce taudis. Hein. Oui, maman. Oui, maman. Casse les couilles, maman, un peu. Il est énervé, hein. Et... Ah bah, d'accord, il a pas le temps. Oh, elle a répandu des ragots juteux sur sa maman. La grand-mère. C'est pas cool. Hop, tu vas travailler dur. Eh, eh, petite promotion, petite pas petite promotion, là. On est au niveau 3. Oui, petite promotion. Oui, il en peut déjà plus. Vas-y, fais de la lèche au patron, je crois qu'elle va aimer ça. La patronne. Il va lécher la patronne. Eh ben, il n'y a pas eu la promotion. Qu'est-ce que... Dérangé par l'odeur, des cafards. Oh là là, y a... mais c'est pire que l'appart de Lila, hein. Ils sont où, les cafards? Ah putain, ils sont là. Éradiquez-les, allez. Ah mais l'enfer. Non mais il va passer plus de temps à... Mais arrête avec ton bonhomme de neige, wesh. Ça va, allez. Suffit. Allez, tu vas regarder la télé. Ce truc, ça me gave. Il travaille encore ou pas? Il travaille encore, ok. Ah, ça y est, je peux enfin cliquer dessus. Ok, tu peux réparer là aussi. Oh, c'était l'icône a été magnifique avec le pif en gros plan, là, c'était superbe. Non! Enfin! Alors tu peux me jeter ça. Alors c'est un peu à la chaîne, hein, parce que bon, bah... On n'a pas de famille, hein, pour l'instant, donc... Oh putain, ça repue, là. Ah, sérieux. C'est... cet appartement de malheur. Regardez ce pif avec les... C'est immonde. C'est trop dégueulasse, merde. Je clique sur l'icône des Sims, moi, n'importe quoi. Mais arrête avec ta neige. Ça suffit, va te laver à la place. Et ça pue encore, hein. Mais quel enfer. Ah, poil dans le salon, y a rien de mieux, y a rien de mieux. Ah non, ça va. Mais t'as pas dormi? Mais pourquoi tu dors pas? Mais idiot, va dormir! Moi je fais pas attention, il se lève lui la nuit là. Enfin, au lieu de. Voilà, bref. Tu as des vues sur sa future femme? Bah bien sûr, Nani, t'as pas vu? Ça y est, on est sûr là! Moi on l'a rencontrée déjà. Elle est là, Emmanuel là.
Emanuela. La divine et la belle. Oh, Autonne, elle veut passer. Allez, viens, on va te faire des trucs malicieux. Ouais, on va manger. Il passe son temps à bouffer, c'est incroyable. Autonne, t'es où? J'ai faim, les enfants. Elle est censée venir, mais elle vient pas. J'ai dit ok ou j'ai dit non? Oh! El festival de l'amour! Non, c'est pas le festival de l'amour. Si? Gourou de l'amour! Mais si, c'est ça. Alors, tu vas être présenté au gourou de l'amour. Soit tu vas prendre l'air, ça va te faire du bien. Tu vas lui demander ton. Son destin romantique. Si elle te prévoit quelque chose de bien ou pas. Ah, oh, bah, il est blasé, super. Discussion ennuyante, il lui a juste dit bonjour. Hein. C'est pas grave, tu vas lui faire de la malice. Allez, tu vas lui faire les poches, on s'en fout. On a dit tout le monde sauf la famille. Et eux sont en train de se taper un slow. Alors ? Bon bah, en fait, non. Même si les tentations ne manquent pas, vous devrez attendre de nombreuses lunes avant de trouver votre grand amour. C'est pas vrai ! On l'a vu déjà. Elle travaille avec nous. Alors que j'oublie pas, travailler dur. C'était sympa. Alors qu'est-ce qu'il y a d'intéressant? Attendez, on va aller. Oh. Regardez ce qu'il y a de beau. Ah, oh, c'est un piercing. Oh, elle est là! T'es venu chercher l'amour aussi, Autonne? Bah, vas-y, hein, fais-toi plaisir. Hein, C'est elle qu'on a virée. C'est elle qui habitait dans l'appart. Qui c'est que t'as tué, toi? Qui c'est que t'as tué? Et lui, fait du air slow. Hein, il fait comme s'il dansait un slow, mais avec personne. Et salut, Maïline, comment tu vas? Tu veux qu'on reparle du pif de Martial hier dans Fosbrous? Oh, quelle crise de rire hier, putain. Pourquoi il y a une trace de cadavre sur le sol? Je sais pas, Morgane. On vient d'emménager dans l'appart, il y avait ça. C'est un peu glauque et je peux pas l'enlever. Donc, je ne sais pas. Quelqu'un est mort avant qu'on arrive? Qu'est-ce qu'elle fait, elle? Ça va pas bien, Autonne, hein? Ah, ça pue. Mais mon enfant, il est fini. Tu dragues, Autonne, vas-y. Sacré boobs, hein, quand même. Oh, bah! Comment elle l'a envoyé paître? En même temps, c'est vrai, t'as raison, il est pas terrible. Hein. Il a essayé de lui rouler un patin, elle a dit « Wesh, dégage !» Merci beaucoup, Maëline, c'est gentil. Enfin, ça, parce que vous voyez pas les détails, mais... Ah non, c'était marrant hier. Surtout quand je voyais ses yeux et ses dents. Oh purée. Oh, j'en pouvais plus. J'étais morte. J'étais explosée de rire, quoi. C'était rigolax. On va redemander son destin romantique en revenant. Du thé sakura. Là, tu vas boire du thé sakura. Bah, quoi qu'il revient à 4h du matin, je pense que ce sera fini. Ouais. Ce sera un petit peu fini. Magnifique. Oh, quelle œuvre d'art. Oh ah non, je voulais l'acheter. Je suis tristesse. Ouais. Ça va, on est déjà à 1007, hein. Parce qu'en fait, la carrière criminelle, ça gagne pas beaucoup, hein. Le festival se termine dans 1 heure. Bah ouais, bah... Lui, il finit dans 2 heures, donc c'est mort. Tu veux une barbe à papa? J'ai le screen à l'intérieur de mon visage. Ah, d'accord, pardon. Des idées pour le prénom. Bah, c'est vous qui choisissez. Enfin, vous me faire des propositions, et moi, je...
Je choisis dans ce que je préfère. Mais attendez, on n'est pas encore à faire des gosses, hein. De toute façon, c'est des jumeaux. Ce sera forcément des jumeaux ou jumelles, ou jumeaux garçon-fille, on sait pas. Elle va rester là, et du coup, le temps qu'il rentre ou pas? Promotion! À l'avant les histoires! Tu vas évacuer le stress, tiens. Tu vas éliminer la journée. Et tu vas... flatter. Promu coupable de crime aggravé! Gagnera désormais 6 simflous de plus par heure, soit 23 simflous de l'heure au total. Bonus 670 simflous, une sculpture batte de baseball vintage. Incroyable. Hey, salut ma sœur! Aider la mauvaise relation. Bah t'en as tellement. Allez, avec lui. Ça va, Auton? Comment tu vas? Ça va, Auton? Comment tu vas? Ça m'énerve de me répéter comme ça. Regardez comme elle était belle. Pourtant, elle a perdu. Elle est jeune adulte maintenant. Ouais, elle a grandi. Hein. Ça y est, elle a des poils aux pubis. Hein. Elle a des... Elle peut se reproduire, quoi, la sœurette. Hein. Bravo Copper, 3 promos en un live, il est doué, t'as vu ça? Barbe à papa. Bah c'est sûr que ce sera pas Candy ou... Je sais plus le nom de son Sims, de que crime elle a fait. Comme ça au moins je prends pas ses prénoms. Candy c'était la fille, parce qu'elle a eu une fille et un garçon. Malabar, c'est ça. Eh mon loulou, tu t'es levé mon cœur. Salut Billy Titi, comment tu vas? Malabar, ça t'arrive pile au bon moment quoi. Ah, cerisier. Blossom pour une fille peut-être, dans ce cas-là. Ce cerisier, ça fait l'arbre un peu trop arbre. Complimenté, voilà, il est content. J'aurais voulu savoir son dernier trait, puisqu'elle a grandi toute seule dans son coin, la choupette là. À moins qu'on nous l'a déjà dit, j'ai pas fait attention. Alors, elle est gloutonne, espiègle et sûre d'elle. Bah non, elle est pas espiègle, espiègle c'est quand elle était petite. Enfant des îles. En ayant grandi à Willow Creek. Ouais. Oh, sans désir. Allez, tu vas retourner à la maison. Ah, quoique, attends, tu peux regarder elle. Regardez la présentation, ça va te faire... Ouais, ça le divertit pas des masses. Bon, allez, arrête et rentre à la baraque alors. Ah d'accord, c'est... La vieille a été chez nous. Ok, c'est normal. C'est normal. On peut... Je peux pas à chaque fois. C'est bon ça? Oh là là, elle a été bouffée dans notre frigale quoi. Saleté. Saleté de vioc. Tu vas regarder la télé. Ah non, casse-toi, c'est bon. Là, non mais dégage, c'est bon. Et, retourne chez ta mère. Alors maintenant qu'il a été promu, il travaille pas, il est en week-end. Faut qu'il soit 5 en compétences malice. Très bien. Bon allez, va te coucher, là il est un peu... Il est 8h du mat. C'est une bonne heure. Pink sinon... Bah on verra, on n'y est pas encore. Je vais essayer de le caser avec la petite Emmanuela et puis ce sera bien. Qui était déjà vu? Ah, Sakura! Ah oui, bah oui, comme le thé Sakura! Salut Nawel, comment tu vas? Qu'est-ce qu'il y a? Ah, vas-y, discute si tu veux. Après, t'iras prendre une douche et t'iras manger. J'ai faim aussi, Doudou! Doudou, t'as faim, toi? Hein, bah oui, moi aussi, j'ai faim! Mais t'as pas tout mangé tout à l'heure, hein. Tu m'as cassé les pieds. Hein. Tu me casses les pieds tout le temps, hein. Avec la bouffe. Ah, ça y est. Ouais, ouais. Elle a répondu des ragots juteux sur Fox. Quelle vilaine. Bonne idée, Sakura, les fleurs de cerisier sont roses. Bah oui, c'est ça. Et c'est joli, Sakura, j'avoue. On verra, hein. On n'a pas encore fait d'enfant, là.
Marshmallow pour un garçon. La farine, le sucre, le PQ, les pâtes, l'huile, ça allait. Faut croire que les gens ont encore du stock. De quoi tu parles? C'est bon, ça arrête de sentir? Non, arrête avec la neige, ça suffit. Tu vas me faire une toile parce que j'ai pas envie que je l'ai acheté pour rien ce truc. Faut le rentabiliser un minimum. Un moumou? Viens maman. Tu veux pas dire bonjour au chat? Il veut pas vous dire bonjour. Tu aurais dû l'appeler Théo ce chat, parce que comme il vous aime pas. Et oh! Tu reprends! Qu'est-ce qu'il fait? Tu peux écouter de la musique si tu veux. Écoutez blues, vas-y. Mais tu l'as fait ta toile ou tu fais le gugus là? Après on va appeler Emmanuel là. Ah d'accord, lui il attend pas. Ah il attend pas, lui il a pas le temps de niaiser. Hein. Parce que c'est un peu réparé, ça va, c'est pas trop pourri parce que si on l'a fait emménager. Elle est là. Oh coquine, tu sais pas encore ce qui va t'arriver. Hein. Vas-y, va lui faire les poches. Quoi? C'est pas encore notre femme? On fait ce qu'on veut. Bah c'est lui qui dit qu'il nous aime pas. Hein, donc, je ne fais que répéter ses dires, ma petite mot soldat. Merci pour les 26 simflous. Ça fait plaise. Ah là 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 là. Qu'est-ce que tu pourrais lui faire? Tu prétends être un joli criminel, c'est ce qui fait moins peur. Alors, pas amical, mais malice. Lesserac! Et donner de fausses bonnes nouvelles, ou de vraies mauvaises nouvelles. Oh, Sloopy! Tu viens Sloopy, toi aussi? Non. Quoi? Qu'elle est belle! Ils sont bien les bien collègues. Hein. Ça pue. Oh là là. Oupsie. Faut t'excuser là mon coco, non? Ça, ça l'a fait marrer. Par contre, on connaît pas ces traits, si. Pitre. Des pitres comme elle, on en fait qu'un combien, hein, Momo? Oh, t'es. Et Dex, tu vas passer à la douche, c'est pas possible, t'es dégueulasse. Il va pas aimer ça. Hein, tu vas pas aimer la douche. Il y a peu de chance en tout cas qu'il aime une douche. Quand c'est ta femme, ce qui sera elle sera à toi aussi, c'est ça. Hein? Niveau 4 de la malice! Yes! Tu vas la draguer entre deux là. Et recomplimenter. Et donc, je l'ai pas connu comme ça, moi, soldat, c'est chelou, hein. Il était pas comme ça, hein. Ça fait peur un peu. Bravo, Ricardo! Ah, elle aime ça, la coquine! Allez! Allez, Copper, tu vas copuler! Allez, Copper, tu vas copuler! Tu as demandé un numéro de téléphone. Ah, Soso! Bah, mais non, ce sera pas une future famille de rouquins. Les enfants, ils sont de génération rose, donc ils auront les cheveux roses. Ce sera les parents qui seront roux. Mais ça marche bien quand même. Yes! Elle est plutôt open! Oh, t'inquiète, il va bien foncer. Là, attends, si la porte du garage est ouverte. Ah, oui. What's up, Jim?
Ah, bon bedoy. Wouhouhou! Bah dis donc, il y en a... Et ils embrassent tous les deux pour la première fois. Oh, ils sont puceaux. Oh, ils sont puceaux. Oh. Invite-la à rester dormir, j'avoue. Comme ça, on est sûr qu'elle va pas s'échapper. Telle une anguille qui va se faufiler hors de nos prises et emprises. Elle en peut plus. Sois ma petite amie femelle et je vais t'honorer ainsi avec mon membre. Je suis horriblement horrible. Voilà, ils sont petits amis. Alors, vous pouvez niquer maintenant. Oh, comme c'est mignon. Va l'honorer, ta femme. Oh, ouais. Moi, je veux, les gens dans le chat, la première fois que vous avez fait crac-crac avec votre chérie. Oh, jolie petite tenue. Est-ce que vous aussi, vous avez fait wouhou? Je me pose la question. Je comprends, moi, celle-là. Il arrêtera jamais à atteindre sa bouche avec la poitrine. Mais non, l'invite pas pour la nuit, invite-la pour toujours. Mais c'est bon, c'est déjà la petite copine. C'est comme dans les Sims 2, si ton avant-bras est aussi grand que ta bite. Ça avait choqué, ça, un petit peu. Non, ça avait fait rire. Allez, on s'achauffe, hein. Ah, comme bah, si la chanson Nick avec moi cherchée sur YouTube. Hein? T'as des goûts bizarres, toi, un peu. Bon, un petit peu haut, quand même, les niches-niches, hein. On passe... Mais viens dormir, gros courgette, là. Bah, on l'invite à rester dormir, elle se casse. Tant pis. Hein. Bon, bah, voilà, on a déniaisé le petit copper. C'est fait. Je pense que on va le faire dormir et puis on va s'arrêter là. Ce sera un petit live du Not So Berry, mais il y aura eu la construction. Et encore, on a bien avancé, on a déjà trouvé sa future femme. Donc, et puis on est déjà au niveau 4 de la carrière. Donc on est plutôt pas mal, j'ai envie de dire. Elle eut ce qu'elle voulait, maintenant elle s'arrache. Mais attends, c'est pas cool, hein, quand même. Bon, attends, alors. Il en est où de ses compétences? Charisme 3 et pâtisserie 3 aussi. D'accord, donc on a encore pas mal de choses à faire. Ah bah non, la revoilà. Allez, Georgette, on va éteindre. Tu vas pouvoir te coucher. On arrive, réchauffe les draps, chérie. Ouais, non, là, j'avoue, je suis pas non plus mon soldat, j'ai pas suivi la dernière. Ah, ça pue. Je suis désolée. Mais ça pue, dans mon immeuble, ça pue. Regardez-moi ça, comme il est content. Oh, le fantôme de son père. Pff, rien à foutre. Ah, mais avant qu'il aille au lit. Comme la sauce. Ah, elle était bonne celle-là! Oh, après le steak qui s'était caché comme le steak. J'ai avant qu'il aille au lit comme la sauce. Voilà. Eh ben, on va aller chez sa mère. On va aller récupérer la tombe de Dan. S'il est chez lui. Ça va être rapide, hein. On fait un petit aller-retour comme ça, là. On rentre, on sort. Ni vu ni connu, je t'embrouille. Ça va, le jeu? Ah oui, il a un petit peu du mal aujourd'hui. Parce que j'ai pas enregistré, ça me casserait les pieds d'avoir la trace vidéo, mais pas la trace dans... Pas dans le slip, non. Non, non, je vous ai entendu. Vous l'avez entendu. Hein? Je vous connais. Et la trace dans mes saves. Wow! Mazette? Qu'est-ce qui...
Tu rentres par derrière, toi. Coquin, il rentre par derrière. Elle est là. Il est mort sur le pas de la porte. Oh, c'est immonde. Allez, Dan, viens avec nous. Il lui reste combien... Alors, est-ce que vous voulez qu'on regarde combien de temps il reste à Lila de... pour vivre ou pas? C'est vrai qu'il s'entend plus trop avec son frère parce qu'on les avait fait se bastonner et tout. Oh, c'est mignon. Ils se sont quand même fait un check. Oh. Yabibo Squad. On n'a pas l'impression d'avoir bougé en fait. On se dit ouais bon c'est la maison quoi. Tranquille. Et ouais. Vadish. Voilà. Ils vont bien s'entendre maintenant. Ils vont être copains comme cochons. Nope, oui, d'accord. Évidemment qu'il rentre par derrière, tu crois que c'est pourquoi qu'elle boitait la petite. Oh la trace sur les draps. Ça va aller, ça sort ni vu ni connu, pas sortir du contexte. Pourquoi moi aussi j'y ai pensé à ça, hein? Hein? Oh maman, ça y est! Je ne suis plus puceau! Mais c'est super, mon fils! Alors, oui, non, vous inquiétez pas, ils s'entendent très bien, mais c'est... Dans le quartier, il y a le truc des bagarres, donc c'est pour ça. Là, c'est une bagarre de l'amour, hein. Alors, qui c'est qui gagne? Je crois que c'est Lila qui gagne. Oh putain, la rétamé. Mais lui est content. Ouais, vive maman! Oh la vache. Tiens, on va te faire manger de la neige. Oh, c'est horrible. Vas-y, fais-lui bouffer de la neige à ta mère. Ça, là, bientôt, elle bouffera les pissenlits par la racine, alors qu'elle s'habitue à bouffer des trucs. Hein. Ah oui, c'est ça. Oh, cette violence. Et il est content. Bah alors, la malice, ça lui a pas fait augmenter. Bah encore, invite à une fausse soirée. Allez. Et ce sera bon. C'est vraiment chiant les trucs des voies d'écologie. Ouais, j'avoue. Merci Paco El Taco pour ton follow. Bienvenue à toi. Ça y est, c'est terminé. Allez, on va rentrer à la maison. Et puis, on pourra dormir. J'ai une question parce que j'ai pas prêté attention, mais tu changes de maison à chaque génération avec un nouveau solde de départ. Alors, je change. On a changé une fois ou deux. Parce que j'avais envie, mais sinon c'est indiqué dans les règles en fait. Là, l'héritier de la génération orange a pour obligation de vivre dans un appartement avec travaux nécessaires pendant toute sa période de vie jeune adulte. Donc en fait, on n'a pas le choix. Et c'était exact le cas aussi de Lila quand elle était jeune. Elle devait vivre dans trois endroits différents. Et donc j'ai remarque, c'était pas forcément avec travaux nécessaires, mais... Elle a eu un appart pourri avec plein de trucs qui allaient pas. Oh, regarde, elle est encore là. Allez. Petit crac-crac de retour. Je suis rentrée de chez ma mère. Je suis au taquet. Vas-y, chérie. On remet ça. J'ai pas regardé combien la facture était. 300. Ça va. Ça va, il est à 2000. Non, le jeu. Oh. Et puis après, ils font dodo. Et puis ce sera bon pour aujourd'hui. On est comme ça, on ne plaît pas à tout le monde, mais on est tous soudés. Attends, pourquoi? Qui c'est que quoi? J'ai pas suivi. Faut pas être choqué ici. Ici, on est sur... Enfin, moi, je suis très humour noir, hein, alors... en général, j'incite les gens à maltraiter leurs enfants, à les découper, à les mettre dans le congélateur, par exemple. Mais il faut pas se choquer, c'est de l'humour. Après. Voilà, c'est très humour noir. Moi, c'est très basé sur les enfants. Morts, de préférence. C'est comme ça. Ouais, je fais... Ouais, non, j'avoue, en plus, là, je fais crac-crac au lieu de faire un enfant. Je suis obsédée. J'ai pas lu toutes les règles encore, je me laisse suspendre. Non, mais pas de soucis, pas de soucis. Mais c'est pas... Des fois, ils te le disent pas.
Mais là, effectivement, la prune, il fallait vivre dans trois endroits différents. Et puis là, on nous demande ça. Donc après, la génération rose sera pour autre chose, sûrement. Qu'est-ce qu'il fait? Il voulait rire. Ben non, tu dors. On va terminer l'épisode. Mais t'as un problème? T'arrives pas à dormir sur la béquille, mon petit? Alors, on va sauvegarder ici. Et moi, YouTube, je vous fais des très très gros bisous. Je vous retrouve la semaine prochaine. J'aurai une tronche un peu plus normale d'ici là. Merci d'avoir suivi cette rediff. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à toujours partager vos foyers sur la galerie avec le hashtag NotSoShirley, comme d'habitude. Et puis, bah voilà, maintenant on a trouvé sa femelle. Donc, bah, peut-être commencer à faire des foyers avec des bébés. Pour peut-être rencontrer les enfants pour nos héritiers roses. Allez, je vous fais des très gros bisous. Je m'en suis mis sur la main, c'est pas grave. Ciao !